Tu vois, c'est combien? C'est moi, ça va venir. Merci. Merci. Encore rien. Ah, les gens n'ont pas de cœur. Heureusement que je t'ai, toi, bobo. Regardez bien cet homme. Il va se casser le bras en dormant. J'ai triché. Je faisais semblant de dormir. À notre plat de légumes, il est 11h16. Oh, pardon. Mais bon sang, mais c'est Marcel. Marcel, Dinan, 72. Philippe. Ah. Tu fais toujours ma botte. Ah bah, pas de Je suis content de te voir, Marcel, dans mes bras. T'as pas changé. T'es un peu grossi, hein? Pour réussir une bonne tête de con, choisissez un con frais du jour. Celui-ci fait 90 kilos sur pied, donc la tête 8 kilos, c'est bien pour 4 personnes. Assurez-vous que le con n'aime pas la garniture que vous comptez lui mettre. Vous aimez les carottes? Donc pas de carottes. Je suis tombé un jour sur un con qui m'a bouffé toute la garniture. Du poivron rouge, c'est bien. Mettez beaucoup d'oignons, 2 gros oignons coupés grossièrement. Car il faut que le con pleure. Le con doit donner son eau. Vous salez légèrement, vous poivrez 3-4 tours de poivre, vous arrosez d'un filet de vin blanc, le con peut en boire, les cons aiment le vin blanc et ça donne du goût. Pendant ce temps, nous vérifions que le riz est bientôt cuit, plus que 10 minutes, nous allons pouvoir mettre la tête du con au milieu du riz, mettre au four 20 minutes et bon appétit. À notre vaisselle sale, il est exactement 10h09. Eh bien oui. Ici à Bruxelles, où la semaine politique est résolument calme, fête oblige, je vous propose de retrouver notre correspondant permanent à Beyrouth, Arnaud de la Fève. Arnaud ! Arnaud, vous m'entendez ? Eh bien, effectivement, Philippe, toute la nuit dernière, dans le quartier des ambassades, des bombardements ont eu lieu et les combats acharnés se sont poursuivis jusqu'à ce matin à l'aube. Et je dois dire que, encore à présent, des tireurs sont embusqués là où nous nous trouvons actuellement. Oui, Arnaud. Arnaud, quelle a été la réaction de l'ambassadeur de France? Eh bien, Philippe, l'ambassadeur de France est parti sur un échec. En effet, il n'a obtenu aucune réponse vis-à-vis des demandes qu'il avait formulées. À vous, Bruxelles. Eh bien, merci, Arnaud. J'espère que nous vous retrouverons dans notre deuxième édition où vous pourrez nous donner, je l'espère, les résultats de cette conférence.
ainsi que l'annonce d'un nouveau cessez-le-feu. Il est 15h, voici notre bulletin d'information. Beyrouth, explosion d'une voiture piégée, 12 morts. Combien ? 12, je sais, c'est énorme. Wall Street ouvre en baisse aujourd'hui, moins 20 points. Le dollar, toujours le dollar. Et enfin, casse à marchand famine. Deux hommes masqués s'en vont avec la coquette somme de 12 millions. Nous développerons ce titre dans notre prochaine édition. Rendez-vous donc à 16h. Merci de votre attention. C'est quand même toujours la même chose dans ces journaux, hein ? Vos ventes venaient à baisser de 30 points. À nos bananes, il est 10h09. J'ai eu trop de problèmes avec mes porte-filtres. J'en ai engagé un chômeur. Et depuis, ça va très très bien. Le filtre, toujours dans le porte-filtre. Deux bonnes cuillères de café moulu par personne. Et... Je vais prendre une jolie photo de mes amis. Oui, les gars, hein? Venez, pour la photo. Ah oui, là, j'ai trouvé des bravelles. Moi aussi. Non, 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 pas comme ça, les grands à droite. Attends, c'est trop grand, c'est trop grand. Non, comme ça, voilà. Attends, non, je me mets là. Comme ça. Non, 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 ça va pas. Oh, les grands, attends, mets-toi à l'air. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça. Super. Ça va? On est bon, là? À notre horloge, il est... Excusez-moi, vous avez l'heure? Il est 3h moins 5. 4h moins 20, monsieur. 6h moins 10. 20 minutes after 4 o'clock. Il est exact 3h42, monsieur. Je pense qu'il est 15h30. Il est 14h50. 5h30. Je vous remercie. Alors ça, c'est incroyable. Comment voulez-vous que les gens arrivent à tomber d'accord sur les grands problèmes du moment, alors que sur une chose aussi simple et précise que l'heure, ils ont tous un avis différent? C'est dingue, non? Non, elle est impeccable. Elle est impeccable, vous me connaissez, elle est impeccable, je vous la garantis. C'est une quoi? C'est une rouge et noire. Rouge et noire 16X. X? Ah, X, ouais, avec c'est... capot en V. Okay. Oui. Et le plastique, là? Ah, vous ça, non, ça, il faut enlever. Non, ça, on vous l'enlève. Ouais, on vous enlève le plastique, ça, c'est... Elle a combien de kilomètres? 2000 kilomètres, premier propriétaire, dénitrolisé, tout. C'est une allemande? Italo-allemande, ouais. Italo-allemande. C'est bon? Ah, c'est très bon. Vous me... Allemand, c'est... Oui, c'est allemand, bon, allemand. Et italien aussi. Et vous me la... Ça, garantie. Hein. Garantie, je veux dire parce que... garantie sans facture. Hein, sans facture, ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Oui, non, mais ça, c'est... jamais... le phare, là. Ça, c'est un phare escamotable. Escamotable. C'est italien-allemand. Italien-allemand. OK. Italien-allemand. Voilà, mais il faut vous décider très, très vite, parce que j'ai trois personnes sur l'affaire, et ça, c'est... Okay. Mais je crois que je vais la prendre. Ah oui, moi, à votre place, j'ai... Ah, garantie, hein, vous me connaissez, on se connaît, vous travaillez à la télévision, je vais pas essayer de vous arnaquer. Okay. Allez. C'est très gentil. Oui, je vous en prie. C'est normal. Merci. C'est normal. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.